hermaphrodite. Yo la confrérie. Alors, aujourd'hui je vous parle avec un peu le cœur parce que ça m'a fait très mal ce qui s'est passé sur Instagram. Vous vous souvenez de la vidéo Call of que j'avais tournée en me plaignant de la communauté Call of et de Activision en eux-mêmes, à juste titre, parce que tous ceux qui ont touché un Call of Duty à l'heure d'aujourd'hui savent très bien que la communauté Call of Duty pue la merde. J'ai pas besoin de vous le dire. Elle est d'ailleurs considérée comme les trois pires communautés du jeu vidéo. C'est pas rien. Et Activision qui ne font plus d'efforts sur leur jeu. Hein. On n'a qu'à voir la version PS4 de Modern Warfare 3 qui est inadmissible. Le jeu se vend à 90 balles alors que c'est un putain de DLC. Enfin 90 balles, 70 balles pardon. Que c'est un DLC de Far Cry, que il n'y a rien qui change, c'est juste le gameplay qui a été allégé. En plus, il n'est pas terminé, il est buggé. Voilà, il y a pas mal de trucs qui font que Call of Duty à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est plus vraiment un jeu qui marche énormément. S'il marche, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui l'achètent. C'est uniquement pour ça qu'il marche. Parce que la plupart des bons joueurs, ça fait un moment qu'ils ont déserté. Il y a maintenant plus les Kikou de 10 ans qui jouent. Alors, sur Instagram, il s'est passé énormément de choses à la suite de cette vidéo. J'ai sorti cette vidéo, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, tout simplement ce que je pensais, et c'était totalement justifié pour un joueur de Call of Duty qui a joué à tous les Call of Duty depuis deux Call of Duty 4, c'est-à-dire le tout premier jeu à être sorti sur PS3, enfin l'un des tout premiers, alors ça remonte, c'était à la naissance du multijoueur de Call of, je suis là. Alors à un moment donné, je veux bien être gentil, je veux bien quelques critiques en disant machin... Oui, je comprends, mais c'est pas pour autant que tu veux faire une vidéo. Ok, ça je comprends. Mais à un point où on vient m'insulter dans les commentaires Instagram, en privé, qu'on vient de m'insulter en disant que je suis qu'un connard qui n'y connaît rien à Call of, j'ai très mal pris. J'ai très mal pris. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis fait ban d'Instagram pour avoir répondu. Je ne l'ai pas insulté, je l'ai répondu courtois en disant que bah mec, si tu regardes ta licence, tu m'insultes en disant que je suis un connard, que je suis clairement un fils de pute, c'est clairement les termes qu'ils ont pris. Vous m'insultez en disant que je suis un fils de pute, que je connais rien à Call of Duty, que c'est une très bonne licence, que la communauté est nickel. Alors. Moi, une communauté nickel, c'est pas dans le thème terrain. Pour moi, une communauté nickel, d'ailleurs, la communauté parfaite n'existe pas. On se le met bien terme, elle n'existe pas. Pour moi, une bonne communauté, c'est pas une communauté qui t'insulte dès qu'elle se prend une balle. C'est pas une communauté qui te spamme dès qu'il meurt. C'est pas une communauté qui fait exprès de jouer comme de la merde juste pour te faire chier. Voilà quoi, je peux t'en dire des pleins de trucs comme ça. À un moment donné. La communauté Call of, elle est considérée comme l'une des trois pires communautés du jeu vidéo. À un moment donné, ça fait des années que Call of existe, ça fait des années que la communauté est comme ça. C'est pas vraiment ça qui me dérange en elle-même, c'est surtout les développeurs qui ne font même plus d'efforts sur l'enjeu. Vous avez qu'à regarder la version PS4 des derniers Call of, qui est juste à chier, les graphismes, c'est du mobile. À un moment donné, voilà, les jeux ne sont pas terminés. Ils te les vendent quand même 70 balles, les jeux, limite 80 balles, les jeux ne sont pas terminés. Ils ont le culot de faire des éditions à 120 balles, alors qu'ils savent très bien que leur jeu n'est pas terminé, que le jeu est buggé, que plus ils spamment plus ils enlèvent des bugs, plus ils rajoutent des bugs, tout en sachant que c'est un copier-coller du 2022 qu'on a eu, de Modern Warfare 2, parce qu'ils ont juste allégé le gameplay et modifié que le truc, sinon c'est un copier-coller exact, c'est un DLC tout simplement du 2022, et il le vend aussi cher que le 2022, voire même un peu plus cher. À un moment donné, c'est pas pour être rabat-joie, mais on vient m'insulter en disant que je suis un connard, que je suis un fils de pute, que je suis un enculé, en essayant de défendre une licence qui ne peut pas être défendue. Oui, Call of, je dis pas. J'aime bien Call of. J'ai bien aimé le jeu. J'ai pas dit que j'aimais pas le jeu. J'ai dit juste les points qui me dérangent. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de prendre du plaisir sur Call of
en partie à cause de la communauté, mais en partie à cause des développeurs qui savent très bien qu'il a un FBMM de merde. Soyons clairement, il y a un FBMM qui t'empêche de jouer correctement, qui t'empêche de prendre du plaisir. Ça, ils le savent, et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont le changer? Ils ne le changeront pas, hein. On ne vous fait pas des yeux, ils ne l'enlèveront pas. Le FBM a toujours été là, mais avant, il était là dans les trucs compétition, dans les modes compétition. Alors aujourd'hui, il est là partout, ils s'en battent les couilles, les développeurs, ils ne changeront pas. Mais moi, en fait, c'est ça qui me fait rigoler, c'est qu'on vient m'insulter, on me traite de tous les noms, on me dit que je suis un connard, que je suis un fils de pute, que mec, que je connais rien dans la vie. Pour une licence, pour un jeu, les mecs, arrêtez! Alors franchement, j'ai été vraiment touché. Franchement, ça m'a fait mal au cœur de voir que là des gens qui prennent ça au second degré, qui prennent ça en premier degré comme ça, et qui viennent t'insulter et essayer de défendre leur jeu, alors qu'ils savent très bien que leur jeu est clairement pas parfait, que leur jeu, bah leur communauté pue la merde. Ils le savent très bien, mais ils viennent essayer de te la défendre. Alors que je dis pas que tu la défendes, ok, mais dans ce cas-là, tu essayes d'avoir des défenses, un argument logique. Et surtout, tu viens pas insulter. Bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai répondu courtois, j'ai répondu vraiment courtois, mais ça leur a pas plu que je leur réponde courtois. Ils m'ont signalé d'insultes et tout. Je me suis fait ban. Du coup, j'ai dû recréer un compte Insta. C'est pourquoi, alors d'aujourd'hui, j'ai mis ma chaîne YouTube sur mon compte Insta, mais je ne mettrai plus mon compte Insta en description de vidéo comme je faisais avant, parce que c'est pour me reprendre des insultes comme ça. Non, merci. Hein. Je continuerai à vous produire des vidéos sur Call of parce que j'aime bien le jeu, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Regarde, je vous ai encore produit un live de 30 et quelques minutes la dernière fois. À la détente, ça m'a beaucoup, j'ai apprécié jouer. Même si j'aime pas le mode, pour moi, la Warzone, c'est un mode où là le plus grand des cheaters, il y a énormément de cheaters sur cette Warzone. Bon, là, tu arrives à trouver des parties où il n'y a pas de cheat, encore eux, c'était le cas, mais on est tombé sur une game où on est tombé sur pas mal de games qui n'étaient pas au foufou. Du coup, on a bien apprécié quand même la tournée avec Ninja Fighter Z, c'était pas le souci, mais bon, il n'avait pas le multijoueur, du coup, on a dit qu'on referait un lorsque quand. Je continuerai à vous produire des vidéos, je vous ferai le prochain Black Ops qui sortira, forcément, je vous le ferai. Parce que j'aime bien Call of Duty, c'est pas pour autant que j'arrêterai d'acheter Call of Duty. J'y passerai beaucoup moins de temps, ça c'est clair et net. Je me mettrai plus à 100% dedans comme je faisais avant. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le jeu ne mérite pas que je le prenne à balle et que je le fasse de 100% de ma vie dedans. Il ne le mérite plus. Le jeu, tout sachant qu'il n'est pas terminé quand il va sortir, il ne sera pas terminé. Du coup, moi, le message que je peux vous dire. Je ne vise personne, mais le message que je peux vous dire, c'est qu'avant de faire quelque chose, réfléchissez à vos actes. C'est très important, parce que ça m'a fait mal au cœur de voir que je me suis fait insulter tous les noms pour un truc qui ne méritait pas, tout simplement. Je me suis fait vraiment insulter. Quand j'avais démarré ma chaîne YouTube en 2020, un ami YouTubeur m'avait bien dit que tu risquais de te prendre des insultes de la part des gens, que tu risquais d'avoir des moments très durs à vivre en tant que YouTubeur. Tout YouTubeur, c'est comme ça. Et franchement, il avait raison. Et c'est le premier moment que j'ai dû affronter en tant que jeune YouTubeur avec une communauté, sa communauté. Alors, je dis pas que. Et franchement, c'est pas vous. Parce que je sais que vous n'avez rien fait là-dessus. Je pense surtout que c'est des gens qui ont vu mes vidéos, qui n'étaient pas abonnés et qui m'ont surtout insulté. Franchement, ça me fait mal au cœur en disant que je me suis fait insulter pour un truc que j'ai dit qui était justifié, tout simplement. Que j'étais un logique d'un joueur qui a joué depuis les débuts de Call of Duty, les débuts des multijoueurs. Ça m'a fait très mal. Encore aujourd'hui, j'en ai très très mal au cœur. C'est pour ça que je n'ose même plus faire de vidéos où je dis mon avis. Je n'ose même plus faire des vidéos comme ça parce que j'ai peur de me reprendre toutes les insultes du monde. Ça m'a fait très mal au cœur, disant que j'étais un fils de pute, que j'étais un connard, que je connaissais rien, que j'étais un salaud. Je me suis pris vraiment toutes les insultes possibles imaginables. Ça m'a fait très mal. Même là, vous pouvez sentir dans ma voix, ça me fait mal. Ça me fait mal de dire que je me suis pris toutes les insultes possibles juste pour avoir dit une vérité sur un jeu, sur une licence. Certes, ça m'a fait mal de dire ça, de ce Call of Duty, parce que c'est une licence que j'aime beaucoup, mais j'ai dit mon avis de joueur et de fan de Call of Duty depuis les premières heures, et je me suis fait vraiment éclater de tous les côtés. Moi, ça me fait mal, franchement, ça me fait mal de voir que des gens qui ne savent pas faire la différence entre un jeu vidéo et leur vie, clairement, qui ne se rendent pas compte des choix et des mots qu'ils emploient. Ça peut faire très mal.
Un grand quelqu'un a dit un jour, je ne dirai pas la citation parce que je ne la connaissais pas, mais il faut savoir que les mots ont plus de conséquences que les actes. Un mot peut tout changer. Un mot bien placé peut tout changer. C'est pour ça que la plupart du temps, on vous dit qu'il vaut mieux discuter avant de se taper sur la gueule ou machin. C'est parce qu'un mot peut tout changer. Et franchement, je me suis fait démolir, je me suis fait insulter de tous les noms pour un truc qui était complètement pas justifié parce que c'était juste des gens qui essayaient de défendre quelque chose qui leur tenait à cœur sans voir au fond d'eux que bah, qu'ils avaient tort. Ils savaient qu'ils avaient tort et pourtant je m'en suis pris plein la gueule. Je trouve ça inadmissible de la part de ces gens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligé de me confier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ose même plus faire de vidéo avis. Je comptais faire une vidéo avis sur Far Cry 6. Je n'ai même pas envie de la sortir, cette vidéo. Je n'ai pas envie de la faire. Parce que j'ai peur de m'en prendre plein la gueule comme je l'ai pris avant. Et moi, franchement, si je continue à m'en prendre plein la gueule, moi, ça peut vraiment. En plus, je suis quelqu'un qui est assez sensible, en manière générale. Je suis quelqu'un qui est assez sensible. Et me prendre des insultes comme ça, moi, ça m'a fait pleurer. J'ai eu vraiment mal au cœur de me dire que, bah, y a des gens qui sont assez cons, assez idiots, pour même pas réfléchir à ce qu'ils disent et dire tout ce qui se passe par leur tête. Et je trouve ça inadmissible par la peine des gens qui font ça. Et ces gens-là n'ont pas eu d'éducation. Ils n'ont pas eu d'éducation. Et moi, ça me fait mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comptais faire cette vidéo parce que, voilà, c'est pas normal de se prendre ça. Personne ne devrait se prendre des insultes aussi importantes gratuitement comme ça. Maintenant, moi, je vous souhaite à tous, si vous vous lancez dans YouTube ou dans un peu importe un réseau social, faites bien attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Même si vous dites, même si vous savez que vous avez raison. Moi, personnellement, j'ai dû juste dire des points que tout le monde a soulignés depuis des années dans Call of Duty. Et pour avoir joué, je sais ce que je dis parce que j'ai joué à tous les Call of. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je savais, ce qui était vrai et faux. Moi, quand je joue à un jeu, je dis aussi les mauvais côtés. Je prends en compte que le jeu n'est pas parfait, qu'un jeu parfait, ça n'existe pas, que le studio parfait n'existe pas. C'est impossible d'avoir le jeu parfait, c'est impossible d'avoir le studio parfait. Même Ubisoft, qui est l'un des plus gros studios, a des points positifs, des points négatifs. Même Activision a des points négatifs. Même le plus gros des studios, même PlayStation, Xbox, tout le monde a des points négatifs, pas forcément des positifs. Et c'est vraiment à prendre en compte que rien n'est parfait dans ce monde. Et il faut pas insulter le premier venu juste parce qu'il dit son avis. C'est non, ça se fait pas. Et moi, je comptais vous dire ça parce que franchement, ça m'a fait mal au cœur. J'en ai même pleuré parce que je suis quelqu'un d'assez sensible de base. Et franchement, non, je l'ai vraiment très mal pris. C'est pour ça que je comptais vous faire cette vidéo pour vous le dire. Je continuerai forcément à vous faire des vidéos, vous montrer ma joie de vivre, parce que voilà, je suis comme ça. Mais évitez de, si vous voyez quelqu'un un jour qui se fait insulter comme ça, n'hésitez pas à strike la personne qui insulte et à le signaler, parce que c'est inadmissible de se faire insulter comme ça. Ou remettez cette personne à sa place gentiment, courtoisement. Sans l'insulter au retour. Soyez plus intelligent que les personnes qui font ça. Si vous avez une personne qui vous insulte, réfléchissez, soyez plus intelligent que lui et montrez-lui que vous êtes plus intelligent et il finira par s'arrêter. Ou simplement ignorez-le et vous serez tout simplement. Il s'arrêtera. Mais franchement, voilà, j'ai supprimé cette vidéo parce que c'était plus possible pour moi de me prendre autant d'insultes. La vidéo était sortie depuis 2 heures seulement et je me suis pris. Je sais pas combien d'insultes dans la gueule et c'est. C'est pas. J'ai fait 35 vues sur cette vidéo. Et sur cette vidéo, je m'en suis. J'ai 35. Ouais, 30. Je sais pas combien de personnes qui m'ont mis sur la gueule. Franchement, ça ne se fait pas. Moi, je vous dis seulement, restez courtois avec tous vos entourages. Parce que c'est en étant sympa avec les autres que les autres seront sympas avec vous. Moi, j'ai un mot très clé qu'on m'a toujours raconté dans ma vie. Un seul mot. Si tu es sympa avec la personne, elle sera sympa avec toi. Si tu es méchant avec la personne, elle sera méchante avec toi. Point barre. Ça marche aussi simple que ça. Soyez gentil avec que ce soit avec vos amis, que ce soit avec les gens au général. Soyez gentil, soyez courtois et tout se passera bien. Moi, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée surtout. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de choses dans votre vie. C'était Fanta. Ciao tout le monde. Take your chance, be now, be my man.